Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager une information que j'ai trouvée sur le site Reddit. Il y a une salle secrète dans la mission La Cachette de Kaïd. Donc cette mission se situe sur Terre, vous devez monter dans la tour. Et à ce niveau-là, au niveau du téléporteur violet, vous devez faire demi-tour et casser la petite grille qui est juste ici, voilà, au-dessus d'espèces de générateurs gris. Et vous devez avancer dans les couloirs et je vous laisse écouter. Vous avez trouvé une de mes salles secrètes. Que de souvenirs. Vous pouvez prendre les lumens, mais laissez les exotiques. Une fois que je quitterai cette tour. Voilà, donc on apprend ici qu'en fait Kaïd a plusieurs salles secrètes qui en fait il y entrepose différents équipements, des lumens, des exotiques, etc. Il n'y a rien d'autre que des coffres de déchus ici. Quoi? Ils ont pris mon butin? Où est passé le respect? Voilà, donc Kaïd s'est tout simplement fait piller par les corrompus. Valet Peak? Oui, j'avais créé tout un système pour ne pas perdre ce que j'avais caché. Les figures étaient pour les armes. Peak pour Akeu, Trèfle pour Crux Lomar, Carreau pour Omolon et Cœur pour... bon, Cœur c'était pour une fille que j'aimais bien. Comment s'appelait-elle? Vous ne devriez pas être en train de chercher un moteur furtif plutôt? On apprend ici que Kaïd avait un système caché pour nommer ses armes. Il a parlé de pic et de Akeu, donc le pic qui était le symbole de la marque Akeu. Il y a une arme exotique qui s'appelle l'As de pic qui aurait donc un rapport, qui serait donc une arme de la marque Akeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss!